Bonjour. Bonjour. Donc, on va faire des petites boulettes de veau sauce forestière avec champignons de Paris et cèpes. Donc, Voilà, les les cèpes cèpes sont sont là, là, voilà. Et champignons de donc, Paris. voilà. Donc, on va faire cette sauce. Donc, qui va nous permettre aussi d'accompagner, comme là, on a un magret de canard à faire, un filet de canard plutôt. Et Oui. en même temps, on met des petites boules de veau, une farce qui va être à base de petites boulettes de veau. D'accord. Donc on commence par les oignons. Voilà. Donc là, on va préparer des oignons, du persil. Donc là, il y a à peu près 400 grammes de veau. Donc je mets un peu de persil déshydraté. Mais vraiment très très léger hein, pour pas dénaturer, un peu d'ail déshydraté, mais très léger. Je sale. Et du poivre. Et je poivre. Et je mets un œuf. Voilà. Et donc là, je vais mélanger ma mixture. Salé, poivré, ail, persil. Pas de trop, hein. Et je mets toujours un œuf pour que mes boulettes, après, elles se tiennent dans la marmite. Pendant la cuisson. Oui, toujours. Toutes mes farces, de toute façon, je mets toujours un œuf. Après, ça dépend de la quantité. S'il y en a plus, je mets 2 œufs. Ça dépend. Mais toujours des œufs pour pouvoir tenir mes boulettes. Sinon, elles vont se désintégrer des fois dans... Alors, ça dépend la viande que vous avez, mais des fois, elles se désintègrent dans la sauce en fait. La préparation des petites boulettes de veau. Voilà, donc là c'est des petites boulettes hein, que je fais à la main. Il n'y a rien de très compliqué. Non, c'est vraiment basique. Après, faut essayer de les faire à peu près de la même taille, quoi. C'est mieux peut-être pour la cuisson, la même taille. Oui, voilà, c'est bien, ouais, c'est tout à fait, c'est bien mieux, oui. Voilà. Les champignons. De Paris. Voilà, donc je les coupe en petits morceaux. Hein. Alors bon, comme je vous dis, ça accompagne un filet de canard. Bon, je ne vais pas faire cuire le filet de canard aujourd'hui, mais c'est une sauce qui peut accompagner n'importe quelle viande. D'où les boulettes. D'où les boulettes de veau. Après, vous pouvez mettre autre chose. Hein. Vous pouvez mettre des boulettes de bœuf, de porc. Vous mettez la viande qui vous arrange. Donc on met un petit peu d'huile d'olive, pas de trop. Ça sert à rien de mettre trop de matière grasse. De là, je mets l'oignon. Il y a un oignon là? Oui, il y a un oignon, un gros oignon aussi. Et même mettre le persil avec, hein, c'est pas plus mal. Les champignons aussi avec. Travaillons vous. Mais combien peut être le champignon là? Oui, c'était une petite barquette de 80 grammes. D'accord. Voilà, donc là, ça a bien diminué, hein. Donc maintenant je mets mes têtes. Voilà. Mes petites boulettes. Les boulettes. Oui, on va les prendre délicatement, les petites boulettes. Non. Et une fois qu'on a mis les boulettes, on met un bouillon de veau avec du fond de veau à l'intérieur. Voilà. Et là, on va laisser mijoter maintenant. Alors là, par contre, je vais mettre un cube, mais c'est du thym, du laurier et du persil. Donc je le mets en cube. Hein. Après, vous pouvez le mettre autrement. Moi, je le mets en cube. Voilà. Donc là, maintenant, on va laisser mijoter. On recouvre ou pas? On va recouvrir, oui.
Voilà, mes petites boulettes forestières avec des cèpes sont terminées. Donc, il n'y a plus qu'à passer à table. Donc, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la cloche en haut à droite ou en bas à gauche. Et donc, comme vous pouvez constater, bah, la sauce est là. Donc, après, je peux l'agrémenter aussi avec d'autres viandes. Et mes petites boulettes sont là aussi. Donc, je vous remercie. À bientôt. Et abonnez-vous, s'il vous plaît. Je vous remercie.